Ghostbusters! Hey, salut Buster! Eh bien, tu es tout sale, on dirait. C'est si amusant de jouer dans les flaques de boue. Allez Buster, il est temps d'aller au lavage auto. Tu vas redevenir tout propre et brillant. Hey, salut Tony Camion! Oups, il a débranché le câble. Oh non, le lavage auto ne peut plus fonctionner et Buster est coincé dedans. Vite, Scout! Buster a besoin de ton aide. Il est vraiment bien coincé. Peut-être que si tu le pousses... Oh, cela n'aide pas. Il ne bouge pas. Ça va aller, Buster. Scout va chercher de l'aide. Sois courageux. Waouh, voilà Scout. Et elle a amené Ashley le camion de pompier, Amber l'ambulance et Otis la voiture de police avec elle. Tout ira bien désormais, Buster. Les véhicules d'urgence sont là pour t'aider. Je crois qu'Ashley a un plan. Attrape cette corde, Buster. Ils vont te sortir de là. Tous ensemble maintenant. Tirez aussi fort que possible. Allez, tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Scout vient de repérer le câble débranché. Peut-être que si elle le rebranche... Oui! Le lavage auto fonctionne à nouveau et Buster est libéré. Oh, merci à tous. Très bon travail d'équipe. Daddy Bus et Buster traversent les collines. Oh, regarde, c'est un bébé cerf. Oh, qu'est-ce qu'il fuit? C'est Traxon, le train. Oh non, qu'est-ce qui ne va pas? Traxon ne peut pas s'arrêter. Vite! Buster et Daddy Bus à la rescousse. Oh non, il accélère. Daddy Bus appelle Otis, la voiture de police. C'est une urgence. Ah! Il y a une branche sur les rails. Daddy Bus s'approche et la déplace. Hurrah! Bien joué, Daddy Bus. On dirait que les rails changent de direction devant nous. Daddy Bus et Buster tirent les leviers pour changer la direction des rails. Mais, oh non! Terry traverse les rails. Changez-les, vite! Ouh! On l'a échappé belle. Maintenant, Traxon fait des tours et des tours en rond. Il a le tournis. Oh non, attention! Ouf! Daddy est arrivé juste à temps. On dirait que Buster a un plan. Ils doivent diriger Traxon vers la colline. La colline le ralentit. Il s'est arrêté. Hurrah! Bien joué, Buster! Otis est arrivé sur les lieux. Ça n'a pas l'air d'être une urgence. Oups! Buster et ses amis sont en vacances à la plage. Quelle belle journée! Waouh! La mer est magnifique! Qu'est-ce que c'est dans l'eau? Ah! C'est un requin! Buster a très peur! Oups! Attention, Iggy! Mamie Bus fait une sieste sur la plage. Buster essaie de lui dire ce qu'il a vu. Il avait des ailerons effrayants et a sauté hors de l'eau. C'était un requin. Mamie Bus ne voit rien du tout.
Ne t'inquiète pas, Buster, tout va bien. Mummy Bus va retourner à sa sieste. Buster a toujours très peur. Je me demande si le requin est encore là. Ah! C'est un requin! Va-t'en, Buster, va-t'en! Oups! Pas encore! Oh, Buster est toujours effrayé, mais il veut surmonter sa peur. Il va y retourner. Voilà le requin! Attends une seconde! Qu'est-ce qui ne va pas? Le requin a une dent qui fait mal et qui bouge! C'est pour ça qu'il a sauté hors de l'eau! Ne t'inquiète pas, Shark, Buster peut t'aider! Il essaie d'attirer l'attention de maman. Elle est réveillée. Elle a sa trousse de vétérinaire et elle vient à la rescousse. Splat! Miam, miam! Mummy Bus enlève la dent qui bouge de requin. Elle est tombée! Hurrah! Le requin se sent beaucoup mieux maintenant. Bien joué, Buster! Il est impatient de montrer la dent à ses amis. Bonjour, Tony le camion! On dirait que Tony ne regarde pas bien la route. Oh, regarde, c'est Franky la grenouille. Il vient pour dire bonjour. Attention, Tony! Ouf, c'était moins une. Oh non, on dirait que Tony a perdu des colis. Tu dois faire attention la prochaine fois, Franky. Tony a failli te rouler dessus. Quelle chippie, cette grenouille. Regarde, Tony a laissé derrière lui une partie de sa cargaison. On dirait une bouteille de savon à bulles. On dirait que Franky a une super idée. Regarde-le qui file. Vers où roules-tu comme ça? Des bulles sortent de la bouteille. Hé, regarde, c'est Buster le bus. Je pense que Buster veut savoir où Franky se dirige. Il y a encore plus de bulles désormais. On dirait que tu as une paire de lunettes à bulles, Buster. Hey, Scout! Pourquoi ne viens-tu pas rejoindre cette aventure pleine de bulles? Scout veut jouer dans les bulles. Les bulles volent partout! Oh, j'aime beaucoup ton chapeau, Scout! Tu es rigolo avec une moustache, Buster! On dirait que Franky se dirige vers ce lac. Je crois que cette grenouille très chippie a une idée. Il roule dans le lac! Regarde-le qui file! Les bulles sont partout! Waouh! Il a fait un bain à bulles! Regarde toutes les bulles qui apparaissent! Allez, Buster et Scout, sautez dans le bain! Ils s'amusent tellement à jouer dans les bulles! On dirait que Franky est le capitaine bulle du lac à bulles! Voici Scout avec un splash gigantesque! Tellement de bulles partout! Oh, mais où est parti Franky? Ah, le voilà! Je crois qu'il est l'heure d'y aller! Au revoir, Franky! Merci pour cette aventure pleine de bulles! C'est une journée ensoleillée à la maison de Buster. Oh, regardez! Mummy Bus aide un chaton qui a mal à la patte. Voilà! Tout est soigné et bandé. Scout est là pour aller à l'école avec Buster. Il joue dans la cour de récréation. Oh là là! Scout s'est fait mal au pneu. Buster a une idée. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il a bandé le pneu de Scout avec du papier toilette. Tout est réparé. Bon travail, Buster. On dirait que Ash veut aussi être bandé. Et maintenant, Scout veut que son autre pneu soit bandé. Mais Buster n'a plus de papier toilette. Bandy a une idée. Ils prennent tout le papier toilette. Ils mettent du papier toilette partout. C'est un vrai bazar. Ils poussent un peu trop. Oh là là, ils ont recouvert la cour de récréation de papier toilette. Le professeur n'a pas l'air très content. Oh.
Mummy Bus est là pour ramener Buster à la maison. Elle se demande ce qui a contrarié l'enseignant. Buster explique qu'il essayait d'aider Scout comme maman a aidé le chaton. Maman va pouvoir panser le pneu correctement. Il est temps de bien se faire soigner. Je me demande ce que Buster va apprendre à l'école aujourd'hui. Oh, un volcan ! Waouh ! Ils vont faire une expérience. Le professeur leur montre ce qu'il faut faire. D'abord, une goutte de poudre blanche. Puis, trois gouttes de colorant alimentaire. Puis, du vinaigre pour faire des bulles. Waouh, ça ressemble à un volcan en éruption. C'est incroyable. Tout le monde est tellement excité. Ils vont faire l'expérience tout seuls. Quel désordre! On dirait que Bandy n'a pas travaillé correctement. Oh non! Scout n'a pas bien fait non plus. Peut-être Buster? Oh, Buster a fait autant de dégâts que les autres. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Est-ce que Ash peut y arriver? Buster va vérifier. Ash continue de mettre des ingrédients. Waouh, ça a marché! Beau travail, Ash! Mais comment Ash a-t-il réussi alors que tous les autres ont échoué? Oh, il a suivi les instructions sur le tableau. Quelle bonne idée! Le professeur est fier de Ash. Maintenant, les autres vont essayer à nouveau. Mais d'abord, il vérifie ce qu'il doit faire. Une goutte de poudre blanche. Puis trois gouttes de colorant alimentaire. Puis du vinaigre pour faire des bulles. Hourra ! Ça marche ! Les volcans sont en train de faire des bulles. Ne sont-ils pas superbes ? Bon travail tout le monde ! C'est incroyable ce qu'on peut faire quand on suit les instructions. Le professeur est si fier de tout le monde. Hey, salut Buster! C'est quoi ce poster? Un camion de pompiers? Ça a l'air excitant, n'est-ce pas? Regarde, c'est Ashley, le camion de pompiers. Je crois que Buster veut rejoindre la brigade de feu. Allez Buster! Il est temps de te préparer pour ton premier jour chez les camions de pompiers. Juste quelques changements. Et... Waouh ! Regarde ça ! Buster est un vrai camion de pompiers. Il a une échelle, une sirène et un tuyau d'eau. Oh oh ! L'alarme incendie ! Il y a un feu quelque part. Ashley doit partir pour s'en occuper. Reste ici, Buster. Hey, c'est Tony le camion. Attention à la plaque. Oh non! Ce colis a déclenché un feu. À la caserne. Que va-t-on faire? Vite, Buster camion pompier, éteins ce feu! Oh oh, les flammes ont atteint le toit. Continue d'envoyer de l'eau, Buster. Hourra, Robin est venu l'aider. Et Ashley est de retour. Vous pouvez le faire si vous travaillez ensemble. Deux camions, c'est mieux qu'un seul. Ouf, le feu est enfin éteint. Bon travail, Buster et Ashley. Regarde. C'est ce poster à nouveau. Mais attends une minute, maintenant c'est Buster sur le poster. Waouh, tu es un vrai héros, Buster. C'est une journée venteuse au parc. Buster et Daddy Bus sont là pour passer une journée amusante. Daddy Bus a une surprise pour Buster. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, regarde, c'est un cerf-volant. Buster est prêt à le faire voler. Daddy Bus le pousse en l'air. Waouh, il vole si haut. Bien joué, Buster. Regarde, c'est Monty, la montgolfière.
Oh non! Une grosse rafale de vent a emporté le cerf-volant. Il s'est accroché à Monty qui ne l'a pas remarqué. Ne t'inquiète pas, Buster, Daddy a un plan. Oups! Attention, Daddy Bus! Waouh! Superbe coup de tête, Buster! Bandy et Ash ont l'air très confus. Où vont-ils? Buster essaie d'attirer l'attention de Monty, mais il ne regarde pas où il va. Attention! Oh non! Buster a foncé dans une flaque de boue. Et maintenant, il est coincé dedans. Daddy Bus le sort de là. Bon travail d'équipe! Oh oh! Regarde! Un arbre est tombé en travers de la route. Mais ça ne les arrête pas. Daddy Bus vole juste au-dessus de l'arbre. Et Buster glisse directement en dessous. Waouh, c'était génial! Vite, voilà Monty! On dirait que Daddy Bus a une idée. Il y a un énorme tas de boue et il patauge dedans. Que font-ils? Ils ont fait un dessin de leur cerf-volant dans la boue et Monty a enfin remarqué que le cerf-volant est enroulé autour de lui. Oups! Buster récupère son cerf-volant. Merci, Monty. Buster essaie à nouveau de le faire voler. Tiens-le bien. Ouf, il s'en est fallu de peu. Buster a l'air si excité. Je me demande pourquoi. Un livre d'histoire. Buster veut que sa maman lui fasse la lecture. Buster aime les bons contes de fées. Maman lit à Buster l'histoire de Boucle d'Or et des trois ours. Quand les ours sont sortis, Boucle d'Or s'est approchée de la fenêtre et elle a goûté leur porridge. Mais le premier bol était trop chaud. Buster trouve cela très drôle. Mais regarde l'heure. Maman ne peut pas lire toute la journée. Elle a du travail à faire. Buster est contrarié. Il veut savoir ce qui se passe ensuite dans l'histoire. Mais maman sait ce qu'il faut faire. Peut-être que Grandpa peut lire à Buster. Grandpa est sorti pour arroser les plantes, mais Buster veut qu'il lise encore un peu de l'histoire. Oui, Grandpa peut lui faire un peu la lecture. Buster adore quand Grandpa lit. Il adore les histoires de grandes aventures et de héros courageux. Que se passe-t-il maintenant? Boucle d'Or s'assoit sur une chaise trop petite et elle se casse. Comme c'est drôle. Buster adore cette histoire. Mais qu'est-ce que c'est? Maman dit que c'est l'heure du dîner. La suite de l'histoire devra attendre. Buster mange de bons bâtonnets de poisson et des légumes pour le dîner. Mais il les dévore très vite. Il veut retourner à son histoire le plus vite possible. Maman et Grandpa sont encore en train de manger. Ils ne peuvent pas lui faire la lecture pour le moment. Buster veut vraiment savoir ce qui se passe ensuite. Regarde, il essaie de lire lui-même. Il n'est pas très bon en lecture, mais il fait de gros efforts. Waouh, il a compris. Maman et Grandpa sont si fiers de lui. Bien joué, Buster. Mais oh là là, il commence à avoir sommeil lui aussi. Maman lit le livre à Buster pour qu'il s'endorme. Boucle d'Or dort dans le lit de l'ours. Mais regarde, Buster s'est endormi. Oh, il a eu une journée si chargée qu'il n'a pas pu rester réveillé jusqu'à la fin. Bonne nuit, Buster. Buster et ses amis s'amusent bien à camper dans les bois avec Daddy Bus. Daddy fait des ombres effrayantes pendant qu'il leur raconte une histoire de fantôme. Wow, ce monstre est super effrayant. Ouf, ne vous inquiétez pas, c'est seulement Daddy Bus. On dirait qu'il est temps d'aller au lit. Bonne nuit tout le monde. Daddy Bus part chercher du bois pour le feu. Bonne nuit, Buster. Attends, qu'est-ce que Buster est en train de faire? Il transforme le bois de chauffage en ramures effrayantes. Scout s'est vite endormi. Mince, qu'est-ce que c'est? C'est l'ombre effrayante de Buster. Pauvre Scout. Ne t'inquiète pas, Scout. Ce n'était que Buster. Maintenant, c'est au tour de Bandy de se faire avoir. Ah,
Ah 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 ! Les ombres effrayantes lui ont fait peur à lui aussi. On dirait que Buster est fatigué. Mais Bandy et Scout ont un plan. Buster dort paisiblement. Mais il y a un monstre effrayant. Et un autre. Allez Buster, allez. C'est bien fait pour Buster. Bon boulot la bande. Qu'est-ce que c'était? Oh non, un vrai monstre effrayant. Ouf, c'était juste Daddy Bus qui apportait du bois de chauffage. Assez de frayeur pour ce soir. Toutes ces plaisanteries les ont rendus très fatigués. C'est un beau matin ensoleillé. Et Buster a l'air si excité. C'est l'anniversaire de Diglé aujourd'hui. Buster est impatient d'aller à la fête. Buster prend son petit déjeuner aussi vite que possible. Regarde, c'est Scout. Elle a préparé et emballé le cadeau de Diglé. Comme c'est excitant. Oh non! Buster a accidentellement écrasé le cadeau. Il est plat comme une crêpe. Pauvre Buster, c'était juste un accident. Mais attendez, je crois que Buster a une idée. Regarde, Scout prend cette vieille boîte en carton. Et Buster prend ce bol de bonbons. Il y a aussi le bâton en bois. Et la boîte de bricolage. Je me demande ce qu'ils font. C'est un autre cadeau. Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur? Maintenant, Buster et Scout s'empressent d'aller à la fête de Diglé. Ils ne doivent pas être en retard. Diglé attend. Sa fête a déjà commencé. Mais ouf! Voilà Scout et Buster. Ils ont réussi. Diglé ouvre son cadeau et... waouh! C'est une piñata! C'est l'anniversaire de Diglé, alors il doit le frapper avec le bâton. Il y va! Encore une... clac! Regarde tous ces bonbons! Quel cadeau d'anniversaire incroyable! Salut Buster! Encore une belle journée pour s'amuser. Oh non, c'est Bandy le bus. Buster, attention, tu vas t'écraser. Attends, que se passe-t-il? Oh waouh, tu flottes dans les airs. C'est incroyable Buster. Je me demande si tu peux voler. Oh waouh, tu es devenu un super héros. Tu es si rapide. Super Buster est là. Wouhou! Qu'est-ce que tu as vu, Buster? C'est Otis, la voiture de police. Je me demande ce qu'Otis cherche dans le tunnel. Attends, mais... c'est Bandy le bus. Que fait-il? Ça n'a pas l'air bien. Oh non! Il a poussé le rocher du bord et bloqué Otis dans le tunnel. Tu dois le sauver, Buster. Tu ne peux pas laisser Bandy faire une chose pareille. Ce rocher a l'air très lourd, mais ne t'inquiète pas, Buster. Tu es un super-héros désormais. Tu peux le sauver. Oh, Buster, tes yeux! Waouh, tu as une vision laser! Bien joué, Buster. Tu as libéré Otis. Maintenant, allons attraper ce vilain Bandy le bus. Voilà, Bandy. On dirait qu'il prépare déjà une autre bêtise. Scout, attention! Oh, pauvre Scout! Bandy, regarde qui est arrivé. Tu es en danger. Super, Buster est là. Buster, tu peux l'arrêter. Super, Buster est trop fort pour Bandy. Ça devrait l'arrêter. Super, maintenant Buster doit juste aider Scout à sortir de l'étang. Regardez Bandy, il est coincé maintenant. Oh, c'était juste dans tes pensées. Je ne crois pas que la maîtresse soit très contente, Buster. C'est Buster. Il est temps de se réveiller. C'est un jour nouveau et lumineux.
Regarde, maman a déjà préparé le petit déjeuner de Buster. Confiture sur des toasts, le préféré de Buster. Aïe, Buster a roulé sur ce jouet. C'est bon, maman peut l'embrasser pour qu'il aille mieux. Voilà. Maintenant, Buster peut sortir et jouer au foot. Comme c'est excitant. Maintenant, Buster joue dans le parc avec Scoot. Bien joué, Scoot. Mais oh non! Le ballon de foot est resté coincé dans l'arbre. Mais regarde, maman a récupéré le ballon. Bien joué, maman. Maintenant, ils peuvent continuer à jouer. Qu'est-ce que c'est que ça? Maman et Buster sont en train de peindre un tableau. C'est tellement amusant de peindre ensemble. Regarde, le soleil a un visage. Mais oh, Buster a sommeil. La journée a été tellement chargée. Il est temps pour Buster d'aller se coucher. D'abord, maman lit à Buster une histoire pour s'endormir. Allez, bonne nuit, Buster. C'était tellement amusant de passer la journée à jouer avec maman. C'est vraiment la meilleure. Oh, regarde, c'est Buster, notre bus jaune préféré. Mais attends, tu n'as pas l'air aussi brillant et jaune que d'habitude. Oh, Buster, je crois qu'il te faut une nouvelle couche de peinture. Tu es un peu terne. Super idée! Allons faire un tour au magasin de peinture. Il a l'air très excité d'y aller. Buster est impatient d'avoir sa nouvelle couche de peinture fraîche. Il va redevenir comme neuf. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça t'a fait sursauter, n'est-ce pas, Buster? Oh non! Buster s'est trompé de peau de peinture. Je ne crois même pas qu'il s'en soit rendu compte. Est-ce la bonne couleur? Et voilà, Buster! Une nouvelle couche de Oh non! Ce n'est pas du jaune! Buster s'est recouvert de rouge. On dirait qu'il ne le sait pas. Scout est un peu choqué. Regarde-toi, Buster. Tu es un bus rouge. Vite, vite. Retournons au magasin. Oh mince, tu as renversé toute la peinture. Comment pourras-tu reconnaître les couleurs? Et voilà. Oh non, ce n'est pas vraiment mieux. Buster est maintenant bleu. Jessie a l'air très surprise. C'est parce que tu es tout bleu, Buster. Peut-être que cette fois, tu redeviendras jaune. Toujours pas jaune. Maintenant, Buster est vert. Regarde comme Tony est confus. Il n'a jamais vu de Buster le bus vert avant. La quatrième sera la bonne. Ferme les yeux et pense très fort à la couleur jaune de Buster. Oh non! Jessie et Scout n'ont toujours pas l'air de reconnaître Buster. Buster est désormais rose. Attends, Buster. Je ne crois pas que cela soit la réponse. Buster, le bus arc-en-ciel. Je ne suis pas sûre que Robin approuve. Hein? Quelle peau de peinture choisir? L'un de ces peaux doit être jaune. Le moment de vérité. Ouf! Enfin, c'est le Buster le bus que nous connaissons. Avec une belle couche brillante de jaune. Bien joué, Buster! C'était une aventure haute en couleurs. Buster et Scout sont sur le chemin du retour de l'école. Au revoir, Scout! Qu'est-ce que Buster a repéré? Oh, regarde! C'est Diggly et Daisy! Buster veut les aider! Mais la sécurité d'abord! Regarde ce superbe casque de maçon! Buster les aide à déplacer une caisse du bateau Rocky! Superbe travail d'équipe, les gars! Maintenant, ils placent la caisse sur le site de construction. Monsieur Rubble est parti chercher le déjeuner. À plus tard, Monsieur Rubble. Oh non, la caisse s'enfonce dans la boue. Allez, Buster, allez. Oh non, maintenant Buster est aussi coincé dans la boue. Daisy, à la rescousse. Oh non, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que c'est? Diggly s'est accroché à la grue. Et il tire Buster vers l'extérieur.
Ça marche. Encore un tout petit peu. Oups. Oh, maintenant ils sont tous coincés. Et Monsieur Rubble n'a pas remarqué. Mais Buster a un plan. Il enroule le fil autour de la grue et l'attache à la caisse. Pour qu'ils puissent s'extraire eux-mêmes. Brillante idée, Buster! Diggly et Daisy tirent tous les deux sur la corde à des moments différents. Mais ils doivent travailler ensemble. C'est ça! Hourra! Ça a marché! Monsieur Rubble ne les a toujours pas remarqués. Alors ils sortent rapidement la caisse. Tout est de retour à la normale. Enfin, pas tout à fait à la normale. Ils sont tous couverts de boue. C'est le moment de se nettoyer. Monsieur Rubble les arrose avec le tuyau. Voilà, c'est beaucoup mieux. Maintenant, il est temps de manger un peu. Miam miam. Mais qu'est-ce que c'est? Monsieur Rubble a foncé dans la boue. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Rubble, ils savent exactement quoi faire.